Bonjour à vous tous. J'espère que tu vas bien. J'ai hâte de te revoir à l'école. Bientôt, je l'espère. En attendant, prends soin de toi. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. On a hâte de vous revoir. Prenez soin de vous. Ça va bien aller. Salut. J'espère que tu vas bien. D'abord, je veux te féliciter de protéger les autres en restant chez toi. C'est ça qu'il faut faire, même si c'est difficile. Dans les moments où est-ce que ça va moins bien, rappelle-toi, il y a trois grands types d'actions qu'on peut faire pour aller mieux. Première, bouger. Tu peux courir, faire de la trottinette, du vélo. Moi, j'attends mon panier de basket avec impatience que je viens d'acheter. Tout ça, c'est bon. Ensuite, relaxer. Va prendre un bain. Fais de la méditation, pratique ta respiration. La troisième grande catégorie, s'exprimer. Tu peux faire des dessins, écrire comment tu te sens ou bien parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Il y a aussi une quatrième grande catégorie qu'on nomme pas tout le temps mais qui est vraiment très importante, c'est de rendre service. Pour se sentir mieux, aller rendre service à papa, à maman, ça peut toujours être gagnant. J'ai hâte de te revoir, à bientôt! Allô! Alors, j'envoie un petit message spécial à tous mes élèves de l'ESCAL. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce congé spécial-là avec vos familles, que vous faites des activités que vous aimez. Et je voulais vous dire que c'est sûr que je m'ennuie beaucoup de faire de la musique avec vous, hein, mais j'apprends plein de nouvelles chansons en ce moment que j'ai hâte de vous montrer quand on va se revoir. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye! Bon matin! Je voulais prendre un petit deux minutes pour te dire bonjour et te dire que je pense souvent à toi. J'espère que tu profites de ces petits moments-là pour faire des choses qui te plaisent. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Bye bye! Salut! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu profites de ce long congé pour faire plein de choses qui te plaisent. Que tu passes beaucoup de temps avec papa et maman. Que tu sors à l'extérieur puis tu gardes ton cerveau actif. Je m'ennuie de chacun d'entre vous. J'ai vraiment hâte de vous revoir. D'ici là, je t'envoie plein de bisous. Bonjour les élèves, c'est Madame Anne-Marie, votre orthophoniste. Je vous fais un petit message pour vous dire que je m'ennuie de vous, de vos sourires. J'espère que vous allez bien. J'ai très hâte de vous revoir en pleine forme. Mais d'ici là, on a des petits conseils à vous donner. Écoutez bien les consignes de vos parents. Lavez-vous bien les mains. Et surtout, n'oubliez pas... Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Puis tu profites de ce temps pour passer des beaux moments avec ta famille. Moi, il faut que je retourne m'entraîner. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, puis j'allais oublier de te dire, j'espère que toi aussi, tu continues de bouger. Ça va bien aller. Et prends soin de toi, j'ai hâte de te revoir. Bye! Salut à toutes les élèves de l'école de l'Escale et du Plateau. C'est bien le fun de pouvoir vous dire un beau bonjour à tous. Un beau salut à toute la classe Montessori 1, 2, 3. J'ai hâte de vous revoir et ça va bien aller. Je voudrais dire un beau bonjour à mes merveilleux élèves de deuxième année de l'Escale. Je voudrais vous dire également que je m'ennuie énormément et que j'ai hâte de vous voir. C'est vous qui donnez un sens à mon travail, c'est vous qui gardez une place si importante dans mon cœur et j'ai très hâte de vous retrouver. Je m'ennuie également aussi de mon beau « Bonjour Madame Frédéric d'amour le matin ». Ça donnait vraiment un sens à ma journée. Pour terminer, je vous envoie des beaux gros bisous mes amis et j'ai très hâte de vous voir. Bonjour les enfants, je m'ennuie de vous tous, j'ai bien hâte de vous revoir. Profite du temps que tu as de libre pour aller jouer dehors, pour lire ou pour être créatif. Alors on se dit à bientôt! Bonjour tout le monde, c'est Madame Guylaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous pendant ces temps difficiles, ainsi que votre famille. Et n'oubliez pas aussi de prendre soin de vos chers animaux de compagnie. Bye bye, on se voit bientôt! Salut gang, j'espère que vous allez bien. Je pense souvent à vous. Je sais que c'est pas toujours facile le confinement. Moi aussi, mes enfants trouvent ça vraiment difficile. Mais c'est pour notre mieux dans le fond. Fait que prenez soin de vous, restez à la maison, lavez-vous souvent les mains. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire un petit coucou spécial à ma gang de la comédie musicale.
J'espère que vous continuez de jouer, de chanter, de danser, que vous pratiquez vos chorégraphies malgré le fait que vous n'êtes pas sur scène, que vous n'avez pas la chance de mettre vos beaux costumes et tout. On va se reprendre, hein? Mes 5e année, je m'ennuie de vous. Je pense à vous à tous les jours. J'espère que vous continuez de travailler dans vos affaires d'école et que vous y trouvez du plaisir tout de même. On se croise les doigts pour se voir d'ici la fin de l'année. On va être contents de se voir. Alors, continuez de trouver des beaux projets, d'essayer des nouvelles affaires. C'est en plein l'occasion. Et on se retrouve bientôt. Bye bye! Allô, allô, c'est Madame Jessica. Je voulais vous dire que je pense fort à vous. J'ai hâte de vous revoir. Tous les élèves de l'escalier du plateau, ça va bien aller. On lâche pas, on se revoit bientôt. Bye! Bonjour tout le monde! Un bonjour spécial à mes élèves de 4e année. Je pense à vous tous les jours. J'ai hâte de vous voir en vrai. Je vous aime. Profitez de votre congé forcé pour aller jouer dehors, pour être créatif. Merci beaucoup aux parents pour votre collaboration. On continue comme ça. Et un petit bonjour spécial aussi pour Irvine et Yella, mes deux élèves de francisation. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye! Bonjour les élèves de l'école de l'escalier du plateau. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de toutes ces belles journées-là pour faire des choses que vous aimez, pour faire du sport, des arts, de la musique, du ménage, pour découvrir de nouvelles activités. J'espère que vous prenez du temps en famille et du temps pour soi aussi parce que ça fait du bien. Je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas de manger des fruits et des légumes. Bye bye! Salut à toi, élève de l'escalier du plateau. En ce moment exceptionnel, je n'ai qu'un mot à te dire. Profite du moment présent. Et ne t'inquiète pas du futur. On se reverra bientôt. Ciao! Bonjour à toi, cher élève. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire que je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de tes bonjours, je m'ennuie de tes sourires, je m'ennuie de tes blagues. Je m'ennuie de travailler avec toi à tous les jours dans la classe. Alors j'espère que tu profites de tes moments libres pour jouer dehors, danser, jouer à des jeux de société, passer du bon temps avec ta famille. Puis surtout, n'oublie pas, reste positif, un jour à la fois, ça va bien aller. Je t'embrasse. Salut mes beaux cocos de première année. Donc, je pense fort fort à toi. Pendant ce temps-là, mais j'en profite pour prendre un petit peu l'air aussi. J'espère que tu fais pareil. Donc, je te dis un beau bye-bye et j'ai hâte de te revoir. Allô les petits loups, j'espère que ça va bien. J'espère que tu t'amuses. Je pense fort à toi. On se voit bientôt. Bye! Allô mes chers élèves, un petit mot pour vous dire que je m'ennuie de vous puis j'ai hâte de vous revoir. Salut les copains, c'est sûr que ça va bien aller. Mais en attendant, il faut continuer à se laver les mains et à jouer dehors. En respectant le 2 mètres de distance. Je m'ennuie de toi. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Puis surtout, on n'oublie pas, ça va bien? Et... Allez! Salut, je pense beaucoup à toi, je m'ennuie de toi, mais j'espère que tu prends du temps pour toi, que tu vas bien. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye bye! Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Je pense que moi et Blue, on s'ennuie beaucoup de vous. J'espère qu'on va bientôt se revoir. Prenez soin de vous. Allô, les beaux élèves de l'escalier du plateau. Je voulais dire que je pense à toi, que je m'ennuie de toi, que je m'ennuie de la belle énergie qu'on retrouve à l'école. J'espère que tu profites de cette pause pour faire le plein d'énergie. Tu profites du temps que tu peux passer avec ta famille. J'ai hâte de te revoir. À bientôt. Bye bye. Allô, la gang de l'école de l'escalier du plateau, j'espère que vous allez bien. Je prends un petit moment aujourd'hui pour te dire que je pense à toi, que j'espère que tu t'occupes comme il se doit avec ta famille, avec les gens qui sont à la maison, que tu profites du beau temps quand on en a. On se dit à bientôt, ça va bien aller! Salut mes tout-petits! Un petit message pour dire que je m'ennuie beaucoup, puis je pense à vous! Allô mes amours! J'espère que vous allez bien!
Alors tout d'abord, je veux dire un beau bonjour à mes poulettes de la comédie musicale. Je m'ennuie énormément de travailler avec toi. J'espère que tu chantes et que tu danses à tous les jours pour garder ta belle énergie. Aux autres beaux cocos, mes anciens élèves, mes futurs élèves que je croise quotidiennement dans les corridors de l'école, ton bon matin et tes merveilleux sourires me manquent beaucoup. J'ai hâte de te retrouver également. Finalement, à mes grandes cinquième années, je veux simplement te dire que je suis extrêmement fière de toi. Tu t'adaptes merveilleusement bien à notre nouveau quotidien et à la situation. Vous faites de l'excellent travail. Je suis aussi heureuse de constater que vous mettez en pratique les belles valeurs de notre classe de cinquième année. J'ai hâte de te retrouver. Ça va bien aller. À bientôt! Un petit mot pour vous dire qu'on pense fort à vous, on s'ennuie de vous, on a vraiment hâte de vous revoir. Prenez soin de vous, à bientôt! Alors bonjour à tous les élèves! Au plaisir de se revoir bientôt dans le pavillon ou sur une cour d'école sans neige! Ça va bien aller. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles vont bien aussi. J'ai hâte de vous revoir. Je m'ennuie. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis de l'escale et de l'école du plateau. C'est Madame Julie qui vous embrasse. Qui a bien hâte de vous revoir et surtout de chanter de merveilleuses chansons dans la cour de récréation. Bonjour. Allô tout le monde. Dans cette belle tempête de neige du 15 avril. J'en profite pour vous dire que je pense beaucoup à vous, je m'ennuie de tout le monde et j'ai hâte de vous voir. Bon courage à tous! Bonjour tout le monde, je voulais dire mon coucou aux élèves de l'école L'Escalier du Plateau, les deuxième et cinquième années que je côtoyais davantage. Je pense à vous à tous les jours, mon groupe du service de garde, les troisième années, on lâche pas, le soleil est sorti, on va jouer dehors, lavez-vous les mains, on se revoit bientôt, ça va bien aller, bye bye! Les élèves, ici M. Jean-François pour vous dire que ici tout va très bien. J'espère que ça va bien de votre côté ici. N'oubliez pas de rester en forme, d'aller jouer dehors, de faire les activités qu'on vous envoie à la maison par Internet. Plein de choses qui peuvent être possibles très facilement à l'intérieur, à l'extérieur pour garder la forme. On vous dit ici, ça va bien aller, hein, Edgar? Et Shakira aussi, elle vous dit, ça va bien aller. À la prochaine. Bien hâte de vous voir. Bonjour mes élèves. Hey, tu sais quoi? Je m'ennuie de toi. De tes paroles gentilles, de ton beau sourire, de tes gros câlins aussi. Hey, je te dis, ben, porte-toi bien. Je t'aime. Bisous tout le monde. Allô mes beaux élèves de l'escalier du plateau, je vous envoie un petit message pour vous dire que je pense à vous, je m'ennuie de vous, j'espère que vous passez du bon temps en famille et surtout, j'espère qu'on va se revoir bientôt. On vous dit salut! Bonjour à vous, chers élèves de l'îlot des petits et de la classe de l'archipel, je m'ennuie de vous, c'est Geneviève, votre orthophoniste, j'espère que vous tenez bon, gardez le moral, je pense à vous souvent, j'ai hâte de vous retrouver, gros bisous! Bonjour les élèves, juste un petit mot pour te dire au combien je pense à toi en cette période un petit peu plus difficile. Profite-en pour te reposer, lire de belles histoires, aller jouer à l'extérieur. J'ai bien hâte de te revoir et surtout ne t'en fais pas, ça va bien aller. Bye bye! Bonjour les jeunes, simplement pour vous dire que j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous profitez aussi du bon temps en famille puisque en ce moment on ne peut pas se croiser à l'école. Donc au plaisir de se revoir bientôt. Si c'est pas cette année, ça sera peut-être la semaine prochaine. Et profitez-en. Bye bye. Bonjour, c'est Madame Gersand. Ça fait plus de 34 jours qu'on est à la maison et c'est pour une bonne raison. Par contre, je vous invite à ce qu'on continue tout le monde à se muscler le cerveau. Puis j'espère qu'on va tous se revoir très bientôt. Hi there. I hope everybody's safe and happy at home. I know it's difficult to be stuck at home, but please. Be patient, be safe, be kind, be the best person you can be. I miss you a lot. I'm missing your beautiful faces, your beautiful smiles.
I hope to see you soon. Sending you a lot of hugs and kisses. Allô les élèves de l'école L'Escalier du Plateau. Un beau bonjour plus particulier à mes Coco de la classe de Madame Virginie. J'ai très hâte de te revoir. J'espère que tu passes quand même des bons moments en famille. Oublie pas de te laver les mains, c'est très important. Je pense à toi, ça va bien aller. Bye bye. Un petit bonjour pour les élèves de l'école Escale et de l'école Plateau, pour dire qu'on pense beaucoup à vous. On espère que l'école vous manque un petit peu, parce que vous nous manquez. Et on espère que vous profitez des beaux moments avec votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, et vous profitez du dehors. On est à 2 mètres de distance. On se revoit bientôt. Bye bye. Hey, hello everyone. I know I'm keeping you super busy with the platform. But you know, it's my connection to you in this time of no school. So can't wait to see you back in school. Bye! Bonjour mes amours, vous le savez déjà, mais je vous le redis encore, je vous aime très fort, je m'ennuie de vous, j'ai hâte de vous voir en vrai. À bientôt. Bye! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que je pensais beaucoup à vous. Vous me manquez et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à bientôt mes trésors. Bye!